Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'allais commencer à me maquiller. J'ai déjà appliqué ma protection solaire, j'ai mis celle-ci aujourd'hui. Et là je vais me maquiller avec vous en discutant un petit peu. Alors je pense que de toute façon vous aurez vu le programme du jour dans le titre. Mais aujourd'hui c'est reparti pour la décoration. Alors je vais pas décorer aujourd'hui, vraiment ça va être le shopping. Je vais aller acheter des nouvelles choses, je vais aller voir ce qu'il y a en magasin. Pour ça je ne vais pas aller à Lyon, je vais aller vers chez mes parents. Comme ça j'ai la voiture en fait. Et de toute façon il faut que, enfin je vous expliquerai, mais il faut que je descende pour ce soir vers chez mes parents. J'ai essayé de regrouper justement ce que j'ai à faire à la campagne et d'en profiter pour aller faire les magasins. En plus vers chez mes parents il y a un Casa, alors qu'il n'y en a pas à Lyon, il faut aller à Caluire pour avoir Casa, et du coup j'y vais jamais. Pour la fin de journée je vous expliquerai, je pense plutôt dans la voiture plus tard dans la journée. Là j'essaye, j'y pense jamais dans la vraie vie comme ça, de mettre des produits crème. Je le fais dans mes vidéos make-up parce que j'y pense, de tester des nouveautés, mais les produits crème c'est pas un réflexe. On peut en mettre pas mal, hein, du blush Beauty Bay, il est pas ultra pigmenté. Mais écoutez, en vrai, ce que je trouve dur à doser avec le blush, c'est qu'il y a la même quantité des deux côtés quand c'est de la crème. J'ai du mal, hein. En fond de teint, je vous ai pas dit, mais j'ai mis celui-ci, le Il Maquillage, et j'ai mélangé avec un petit peu de celui-ci qui est trop clair pour moi. Celui-ci, il est un tout petit peu foncé, celui-ci un peu clair, donc j'ai mélangé les deux. Et en anti-cerne, du coup, j'ai plus mon Tarte parce que je l'ai mis dans ma trousse de make-up, parce que j'ai pris une valise. Je vais rester une nuit à la campagne. Je poudre tout ça, je vais mettre un petit peu de musique et on se retrouve après. J'ai dormi, je crois, 2h30 cette nuit. C'est un truc de fou. Bref, on s'en fiche. J'avais tellement d'avance que je me suis dit, je vais prendre mon temps, bien faire mon teint, mes sourcils. Et comme d'hab, j'ai tout le temps d'avance, mais là, ça commence à falloir que je me dépêche, là. Je vais faire pour les yeux juste un petit trait de crayon. Ma couleur préférée, le marron, je l'ai mis pareil dans ma trousse de maquillage. Donc je vais prendre celui-ci. C'est un genre de kaki un petit peu pailleté. C'est Linda Albert, hein, toujours. Et je viens l'estomper. Maintenant, crayon beige. Bah, du coup, j'ai pas mon Tarte pour la même raison. Donc, je vais prendre mon Charlotte Tilbury. Hein, il est très bien aussi. Je vous laisse, je vous reprends quand c'est fini. Il faut que je me dépêche. Il doit être genre 9h05 et... ou peut-être 9h10. Il fallait que je parte à 9h. Maintenant, je vous mets dans ma valise et on va courir. Je vous ai pas repris, mais ça y est, je suis arrivée à destination. Il y avait un monde dans le train. Je suis arrivée, il doit être 11h, ouais 11h, 11h30, quelque chose comme ça. Là on va du coup manger, je vous ai pas dit où je suis arrivée chez ma mère, on va manger. Et après on ira faire quelques magasins, j'ai envie notamment de faire Casa déjà, de sur Casa. Je vais vous mettre le grand angle parce que là ça m'énerve, j'ai pris pour recoller un grand angle. On va aussi aller voir chez Action et puis après je sais pas trop ce qu'on va faire, on verra aussi en fonction du temps qu'on a. En sortant de chez moi, alors il faisait beau, je me suis maquillée, il faisait beau et tout, en sortant de chez moi... pile, mais une averse de pluie énorme. J'ai dû ouvrir ma valise, sortir mon parapluie, et là il refait beau. Là je suis en train d'essayer de recoller mon objectif. Vous voyez, il faut que j'enlève tout ce scotch, et il y a la même chose sur ce truc. C'est des scotch faits pour, en fait. C'est juste que je vous en avais parlé pendant les vlogmas, mais cet appareil photo il est pas ouf. Avec ce grand angle, en fait, il y avait des petits scotch comme ça pour... c'est fait pour, en fait, c'est des scotch très très forts. Ça a tenu longtemps, hein, surtout que mon appareil photo, j'en prends pas hyper soin, enfin je le mets en vrac dans mon sac et tout parce qu'il tient nulle part avec l'objectif. Ça y est, je l'ai remis, ça fonctionne. On n'est plus collé vraiment. Maintenant je vais le laisser un peu reposer pour qu'il se colle bien. Et puis bah je vous retrouve une fois qu'on aura mangé, la pizza est dans le four. Je vous retrouve juste après. Allez, let's go. On va commencer par aller chez Action. Je vous ai pas trop expliqué pourquoi je voulais faire du shopping déco, mais c'est juste parce que j'ai envie de renouveler un petit peu la déco au niveau du salon. Au niveau du salon et au niveau de la cuisine. Quelques petits trucs, hein, pas tout changer, mais j'ai besoin de changement. Ça fait super longtemps que, enfin pour moi en tout cas, que j'y ai pas touché. Ça fait des mois et des mois que j'y ai pas touché. Donc là on va voir ce que je peux rajouter, changer. On va voir tout ça, on va voir ce qu'il y a dans les magasins. Allez, on va faire un petit tour chez Action. Alors on est au rayon des plaids. Et il y a des trucs verts. J'ai bien envie. Ou alors, après vu que l'été arrive, je me dis peut-être plus un plaid plus léger. Mais je sais pas. Ah, celui-là il est joli. Je crois que j'aime bien ça. 10,95€ du coup. Je pense que je vais prendre ça. Oh, j'aurais dû prendre un panier. Bon, dans les housses de coussin, il n'y a pas grand chose. Je voulais regarder aussi pour le balcon parce qu'un de ces jours, on refera le balcon ensemble. Oh, ça c'est joli par contre, terracotta. Ou ceci.
Ceux-ci sont jolis, le motif est sympa. Du coup, je me souvenais plus de la taille des housses de coussin qu'il me faut. C'est des 65 par 65. Donc c'est pas la bonne dimension. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'à la campagne, il n'y a personne. Genre, je peux tout regarder tranquillement. Là, il y a les petits meubles. Et ça, j'aurais bien aimé avoir un petit meuble. Mais je sais pas trop comment, en fait, pour poser... Oh, c'est joli, ça. Pour poser un peu le truc pour les vinyles. Ou de la décoration aussi. Attendez, il y en a un autre là-bas. Oh non, c'est la même. Elle est pas très chère, cette table. Elle est à 19,98€. Regardez, là, pour une fois, le rayon maquillage, il est grave bien rempli. Il y a plein de trucs. Moi, ça, j'avais déjà essayé, mais là, il y a les teintes claires. D'habitude, il n'y en a jamais. Les crayons, ceux-là, je les trouve super bien. Mais c'est la teinte que j'ai déjà pris. J'ai aussi les petits rangements make-up, comme ça. Les rangements en bambou. Regardez, il y a ça pour les jardins. Il n'y a pas besoin de piles ni de branchées. C'est solaire. Elle est à 9,95€. Je pense que je vais la prendre parce que j'aime bien à mettre sur le balcon. Franchement, ça peut être sympa. Regardez, il y a des carafes qui sont comme les verres que j'ai à l'appart. Je pense que du coup, je vais prendre la carafe transparente. Ah bah non, elle est cassée, la transparente. Et il reste que des bleus ou des roses. Elle est à 3,99€. Mais c'est vraiment assorti aux verres que j'ai qui viennent pas du tout de chez Action, les verres. Regardez, il y a des petits mugs. Mais c'est trop beau coloré comme ça. Il y a rose, bleu, jaune. Mais c'est flippant. T'imagines la nuit, tu te lèves. C'est horreur. Bon là, du coup, on est devant chez Centre Accor. On attend parce qu'on n'avait pas fait attention à l'heure. Et ça ferme ici, entre midi et deux, les magasins. Il est presque 2h, donc on va pouvoir y aller bientôt. On est sorti de chez Action, j'ai fait pas mal de petits achats. Petit, je sais pas comment ça va tenir dans ma valise. On verra, ça c'est le problème d'après. Chaque problème en son temps. Je vous ferai un haul sûrement si j'ai le temps avant de partir à la campagne. Ou sinon, peut-être ce soir, je sais pas quand j'aurai le temps. Mais je vous montrerai tout ce que j'ai acheté dans ce vlog. Regardez, là il y a des pots. Et pour le cactus, ça me paraît pas mal. Après ça, je pense que c'est peut-être un peu grand. Ça c'est peut-être un peu petit. Faut que je vois. Mon copain est en train de mesurer le diamètre parce qu'évidemment je l'ai pas fait en partant. Mais ça c'est pas mal. Là on est à Centre Accor. Bon alors mon gros problème c'est que j'ai envie de prendre ça mais encore pour le balcon. C'est pas du tout les achats du jour normalement. C'est pas du tout le balcon. Et je vois plein de trucs pour le balcon. Regardez comment ça c'est trop beau. Alors ça je pense que je vais pas prendre. Ça va faire péter un câble au voisin. Ouais. 7,99€. Celle-ci elle est belle de bougie. C'est du bois. Trop beau. Du manguier. Ouais. Elle est à 9,99€. Ça, à mettre dans mon appartement, je trouvais ça trop beau. Regardez, c'est vraiment joli. Mais pour du Centre Accor, ça coûte 20€. Je trouve ça un petit peu cher pour la qualité que c'est. Donc, je sais pas, je vais réfléchir. Mais je voulais changer le centre de table. Il y a pas mal de petits trucs ici. Des bougies, plein de choses. J'essaye de parler au-dessus de la musique, c'est super fort. Regardez, je me demande si ce serait pas un petit meuble comme ça que j'aimerais. Mais je suis pas sûre d'aimer celui-là. Mais je me dis... Ah non, ça tiendra pas. Je me dis, je pourrais poser un truc de vinyle au-dessus, mettre de la déco, je sais pas. Bah là, franchement, je trouve rien. Mon sac, il est vide. Pour le moment, je ne trouve absolument rien. Je vais regarder les verres. J'aime bien les verres. Je cherche des verres, mais en fait, je les cherche pas. Je sais où ils sont, c'est pour ça que je vais aller à Casa. Mais des verres, je vous montrerai, je les ai trouvés trop beaux à Casa. Et regardez, déjà, il y a le canapé de la couleur que je veux. Là, je pense que je peux trouver pas mal de petites choses qui me plaisent. De toute façon, ce magasin, mais j'aime vraiment tout ce qu'ils font. Je trouve que tout est trop beau. Déjà ça, j'adore. Oh, il y a les bougies qui sont trop belles. Mais de toute façon, on me laisse ici. Mais je dévalise tout. Vraiment, j'aime tout ici. Je veux reprendre. Je les ai testés la dernière fois. J'espère qu'ils les ont toujours. Non. Les couverts. Ah, peut-être là-bas, attends. Ils ont peut-être changé. Ah oui, c'est là. Regardez là, c'est tout vert et tout. J'aime trop ces tons avec du orangé. Là, il y a du terracotta là-bas. Regardez les abat-jours. Là, j'aime trop celui-ci, là. Cette matière. Mais le problème, c'est qu'il n'y est pas dans la taille que je veux. C'est la taille noire tout en haut. Et il n'y est pas dans cette taille. Donc, je pense que je regarderai pour le commander. Je viens de m'arrêter dans un petit chemin. Oula. La voiture a pas kiffé. Pour pouvoir mettre la caméra. Je ne sais pas si vous avez une vue sur l'extérieur actuellement. Il n'y a rien. De toute façon, il n'y a que des prix à perte de vue partout. J'espère que vous m'entendrez. Je trouve que quand je vlog dans la voiture, il y a un petit goût de vlogmas, mais je vous ai pas repris depuis un petit moment.
parce que je voulais pas être en retard et puis finalement je suis juste. Voilà, donc là je pars chez mes grands-parents et je comptais vous expliquer en fait pourquoi je partais chez eux. Vous savez que mon grand-père, si vous avez un petit peu suivi dans ma vie ces dernières années, parce que ça fait quelques années qu'il y est, mon grand-père retapait des apparts, il en a retapé du coup trois dans un immeuble qui était à eux en fait de base. Et du coup il a voulu en faire des appartements et le premier est occupé par mon frère, le deuxième est loué et là il vient de terminer le troisième et le dernier appart du coup. Moi en fait je m'occupe de tout ce qui est papier, là je vais faire les visites, en fait je m'occupe de la location. Du coup voilà, là j'ai deux visites ce soir, normalement il n'y en avait qu'une, j'ai réussi à en caler une deuxième, j'ai même pas prévenu mes grands-parents du coup. Bon, s'ils sont pas là je les ferai toute seule. Et là j'y vais, il est 16h30 actuellement, j'ai absolument pas du coup eu le temps de vous faire un haul. Pas du tout. Bah écoutez, soit je vous le ferai ce soir s'il n'y a plus de lumière, si c'est plus assez lumineux, je vous le ferai demain. Tant pis parce que là ça va être la course jusqu'à ce soir. Je mange chez mes grands-parents, par contre là mon GPS me dit tout droit, mais moi je crois bien que c'est là. Oui, je commence à avoir un sens de l'orientation. De toute façon, je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure. Puis j'aimerais bien vous montrer, du coup, cet appartement, vous l'avez vu depuis le début, où c'était rien. Et j'ai souvent des petits messages qui me demandent où ça en est, que vous aimeriez bien voir. Donc je vais essayer de vous montrer. Peut-être que ma grand-mère n'est pas là. Si elle n'est pas là, elle n'est pas loin. Mais elle doit être de permanence à la bibliothèque. Peut-être, je sais plus. Il y a tous mes achats derrière. Oh, mais j'ai acheté tellement de trucs. Je sais pas comment ça va tenir dans ma valise, mais bon. Bon, finalement, je suis toute seule. Mon grand-père, waouh, ça résonne. Mon grand-père et mon père sont en train de travailler chez mon frère. Du coup, j'ai pris les clés. Ma grand-mère n'est pas là, elle est bien à la bibliothèque. Donc, je voulais vous montrer un petit peu. Est-ce que... Non, on n'a pas d'électricité. C'est le dernier truc qui manque, de toute façon, l'électricité. Alors, je vais vous faire une petite visite assez rapide. Ici, on a donc la porte d'entrée. Donc, je vais me mettre dos à la porte d'entrée. Et voilà à quoi ça ressemble quand on rentre. Ici, première pièce, c'est les toilettes. Voilà, rien de très fou. Juste ici, on a une buanderie, un espace rangement. Je sais pas si on verra bien. Il est pas bon cet appareil photo dans le noir. Il pixelise à fond. Ensuite, mon grand-père kiffe les rangements. Donc il met des rangements partout, mais c'est génial. Ensuite, là, on a le haut. Ici, nous avons donc la cuisine qui est... Tout est complètement neuf, en fait, il vient juste de terminer. Attendez, je me bouge comme ça. Une espèce... Comme une alcôve, enfin voilà, c'est pas fermé. Et là, on a le grand séjour avec énormément de spots au plafond. Le grand séjour, salle à manger, tout ça. Ensuite, bah, du coup, il faut monter. Mais par contre, je me dis que sans lumière... Ça va peut-être être un petit peu compliqué. Voilà, une fois en haut. Ensuite, la salle de bain. Ça, j'avais tout nettoyé la dernière fois. Ah, mais il a même laissé une lumière. Voilà, parfait. Salle d'eau, du coup, avec les toilettes, la grande douche, double vasque. Et derrière, encore du rangement. Voilà, et là, encore du rangement à foison. Et ensuite, en fait, c'est un appart avec trois chambres. Ici, on a du rangement. Première chambre, ici, avec un dressing. Ensuite, deuxième chambre, ici, avec un dressing aussi. Et la troisième, avec un petit escabeau. Et puis un dressing ici aussi. Voilà, du coup, ce que ça donne pour l'appartement. Je suis essoufflée. Là, j'ai vraiment couru partout. Là, je vais me poser un petit moment, juste histoire de regarder un peu les messages que j'ai eus, les visites. En fait, dans la région, il y a peu d'appartements, donc j'ai beaucoup, 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 beaucoup de messages. I'll get dressed up to go downtown. I'm all messed up on a Friday night. Not really here for a good time. But if you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. Let's toast to that. Je suis en train de me dire que je sais pas ouvrir le grenier. Je sais qu'il y a une histoire d'échelle. Ah, c'est là. Si ça passe. Ouh, purée, juste un mec. Ok, j'ouvrirai. Mais je ne voudrais pas. Bon là, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Il est déjà 19h43. Du coup, on a fait une première visite qui s'est bien passée. J'en ai encore plusieurs demain en fait et il y en a la semaine prochaine. On s'arrête pas là. Par contre, la deuxième n'est jamais venue. Super.
Heureusement que j'en avais pas qu'une ce soir, sinon j'aurais pris un peu le train pour rien. Là, je vais aller manger chez mes grands-parents. On a commandé burger, il y a un petit camion de burger qui vient dans le petit village et je crois que je vais vous filmer parce que apparemment mes grands-parents n'ont jamais mangé de burger de leur vie. Et du coup, mon frère est parti commander et on va voir s'ils vont aimer. Ils ont juste goûté une fois un petit bout de burger McDo que mon père avait ramené. Ils ont détesté. Après, je vais rentrer sûrement dormir chez mon père. De toute façon, je vous reprends un petit peu plus tard. Voilà, regardez. On a ramené burger et frites. Moi, j'ai pris le végétarien. Évidemment, il y en avait un, franchement. Surprise qu'il y en ait un, mais... Oh! Il a l'air sympa. Bah écoute. Il a l'air sympa. Il a l'air pas mal. Qu'est-ce que t'en dis, papy? Un joli petit chapeau. Un joli petit chapeau. Alors, tout le monde sinon a pris Auvergnat. Jamais mangé de burger, voyons voir. Innovation. On veut vos avis. Alors, moi je vais faire un commentaire. À 77 ans, le premier mon burger. Premier burger. Mamie alors? Eh ben moi à 76. Oui. T'en penses quoi? Non, mais il est... c'est bon. Ah. C'est bon. Bon. C'est bon. Alors. C'est bon, papy, tu peux goûter du coup. Tu verras, papy. Ouais, il a l'air bien garni. Ah, ouais. La texture est jolie. Ouais. Ah, oh, ouais, franchement. Regardez. La texture est jolie. Bien, pas mal, hein. Bien. Pas mauvais. Pas mauvais? Ouais. Bon, en traduction, ça veut dire que c'était bon. Je vous retrouve, j'ai allumé la lumière pour que vous voyez un minimum. Il fait pas tout à fait nuit en vrai, j'ai l'impression que je suis mal cadrée. Je vois rien, je ne vous regarde pas de toute façon, je suis concentrée sur la route. 21h10, finalement je vais pas dormir chez mes grands-parents, je vais aller voir mon père. Je reprends la route. Franchement, j'ai été choquée de mes grands-parents, je vous dis. Ils ont kiffé les burgers et ils ont dit qu'ils allaient reprendre quand ça reviendrait. Ils ont demandé à mon frère de reprendre. Très contente de cette expérience. Je vous ai pas fait le haul sur tout ce que j'ai acheté. Ce que je fais, c'est que je vais vous reprendre demain. Je vais clôturer le vlog pour aujourd'hui ici. Mais par contre, je vous reprends demain dans le même vlog pour vous. Ça vous changera rien. Je vous retrouve le lendemain matin pour vous faire un haul. J'ai 3 gros sacs énormes. Mes tickets de caisse. C'est donc parti pour le petit haul. On va commencer par Action. Pourquoi je vous fais un haul ici? Je me suis dit que au niveau de lumière, je pense que ça pourrait être pas mal parce qu'il fait pas beau du tout aujourd'hui. Donc la luminosité va être mauvaise. Il y a quelques trucs qui n'ont pas vraiment de rapport avec la déco. Mais il me fallait un sécateur pour mon cactus, justement, qu'on va faire ensemble. Ouais. Ah oui. Non, c'est pas grave, je le prendrai après manger. Il était à 2,99€. Ensuite il y avait ça, je vous l'ai montré, c'est le petit truc solaire. J'avais trop envie de le prendre, il est vraiment joli, franchement, c'est, je sais pas... comment, enfin à quel point il allume, on verra. Lanterne solaire 9,95€ en effet rotin comme ça, elle est super belle. J'ai repris, ça va un peu dans la déco parce que les miens ils sont tout moches et surtout brûlés. Une manique, un gant, je sais pas comment vous appelez ça. Gant de cuisine plus manique 2,68€. Ensuite, bah, toujours pour jardiner, du coup j'ai pris le sécateur et surtout des gants parce que j'en ai marre d'avoir de la terre plein les ongles. J'ai pris des gants mais vraiment classiques hein, pour jardiner. Et eux ils étaient pas très chers, je crois que c'était un quelque chose, 1,19€. Alors j'ai repris un organisateur de maquillage comme ça. Ça j'en avais déjà pris il y a un petit moment. Je crois que j'en avais déjà acheté 2, ils sont super bien. Donc j'en ai racheté un parce que je vais en avoir besoin. C'est 3,48€. Un bocal pour les spaghettis parce que je les mets dans une boîte. Vous verrez à l'appartement dans un prochain vlog, mais il fallait du changement. Un petit bocal comme ça en verre, c'est pratique pour les ranger. Il était à 3,99€. Et ensuite j'ai pris des collants parce que les collants je trouve que c'est super cher. Chez Action ça avait pas l'air si cher, j'ai pris des 40 deniers, des 15 deniers, là c'est un lot de 2 et des 20 deniers comme ça. 40 deniers 1,99€, le lot des 2 de 15 deniers 2,79€ les deux et ceux de 20 deniers 3,69€. Voilà, vous voyez, pour moins de 10€, j'en ai 4 paires. J'ai pris une petite bougie comme ça, que j'ai trouvée très belle. C'est une bougie à la citronnelle, donc elle ira sûrement dehors. Après, c'est une odeur que j'aime bien, la citronnelle, perso. Je la trouve très jolie, cette bougie. J'aime beaucoup. Donc là, je suis contente. En fait, il y a un deuxième sac Action. J'ai pris, bah, du coup, le plaid. Il est entre le vert et le taupe. Donc, dans le magasin, il ressortait vraiment vert. Donc, s'il n'est pas trop vert, je pense qu'il ira dans notre chambre. C'est un 150 par 200. Il coûtait 10,95€. J'ai pris, pour le balcon,
un tapis parce que je voulais changer le tapis du balcon. J'ai trop hâte qu'on refasse le balcon. 6,95€. J'ai repris des tablettes de lave-vaisselle parce qu'elles sont pas très chères chez Action justement. Là, c'était le lot de 26. C'était 3,98€. Dernier article, c'est un lot de 3 poêles. Je vous montrerai l'état des miennes quand on refera la déco de la cuisine. Il était largement temps de changer et c'est pareil, pas très cher. 29 et quelques, 29,95€ les 3 poêles. Induction, et je crois que j'en ai une de cette même collection, faudrait que je regarde, je suis pas sûre que ce soit exactement cette collection. Chez Centracor ensuite j'ai trouvé un seul article, c'est ce petit panier, je sais même plus si je vous ai montré, mais en tout cas ça, c'est pour le cactus, un cache-pot de cactus. Je me suis dit que ça serait plus pratique que ce soit un panier pour l'emmener, parce que là tout ce que vous voyez va falloir que ça tienne dans ma valise, je sais pas comment je vais faire. 26,99€. Et le dernier sac, c'est Casa, mon magasin préféré. Et là, du coup, on a plus de vraies déco. J'ai pris un torchon à 5,95€. Il est vert. Je sais pas si on verra bien la couleur. De toute façon, vous verrez dans le vlog déco. J'ai pris un torchon pour les mains et un torchon vaisselle qui était aussi à 5,95€. Exactement de la même couleur, vert, mais un petit peu alvéolé comme ça. Ils sont très jolis. J'ai pris un petit plateau en bois comme ça. Il est sublime ce plateau. Il coûtait 14,95€. Et c'est pour mettre en fait cette petite bougie dessus. Au milieu, on en a une qui est terracotta, une beige et une un petit peu plus foncée, j'ai l'impression. C'était 12,95€ et c'est pour mettre dessus en centre de table. J'espère que ça rendra bien. Alors j'ai pris une petite bougie parce qu'il manquait 10 centimes je crois pour que j'ai un bon de 10€. Donc j'ai pris une toute petite bougie blanche classique. J'ai repris ces couverts. Repris parce que j'en avais déjà acheté une fois et je voulais tester s'ils étaient bien avant de faire mon service complet. Et ils sont très bien. En fait les couverts noirs que j'avais avant, je les trouve magnifiques. Ce que je préfère c'est les couverts entièrement noirs. Mais en fait le problème c'est qu'ils résistent très mal au lave-vaisselle. Ça fait des petites dessus comme de la rouille et du coup je peux plus les utiliser, donc je suis repartie sur du classique. J'aime pas trop les couverts comme ça argentés d'habitude, mais c'est ce qui tient le mieux, donc au moins ils ont le manche un peu effet bois noir. C'est bien, c'est pratique, il y a le prix dessus, 26,95€. Ensuite déco, j'ai trouvé un vase terracotta. Il ressemble à ça, le vase, il est très très joli. Soit il coûtait 19,95€, soit il coûtait 12,95€. Je crois que celui-ci c'était 12,95€ parce que j'ai pris un autre vase. Il est trop beau et lui je pense que c'est... Ouais, 19,95€ celui-là. J'aime beaucoup la matière, je sais pas si on verra bien. Mais c'est très joli, il est blanc beige un peu. Il est très très beau, j'aime beaucoup. Une petite bougie ronde pour aller avec. Parce que j'arrivais pas à trouver pour ma composition ce qui irait bien et ma mère m'a dit de prendre une bougie. 2,50€ la bougie. Le dernier truc c'est ce pourquoi j'allais à Casa. Ce sont des verres, des coupes, mais que je trouve sublimes. Ça fait plus d'un an que je les ai vues. Elles sont toutes simples hein, en vrai. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu un coup de cœur sur celle-ci. Fallait que je les prenne. Vraiment, il fallait que je les prenne. Ce sont des coupes à champagne, initialement. Mais après, vous pouvez mettre bien ce que vous voulez. Mais moi, c'est plus pour faire des petits cocktails et tout. Je trouve sublime. J'aime trop les verres comme ça. De toute façon, j'adore les verres. Et mon seul problème, c'est que j'ai pas la place de les stocker. Donc c'est pour ça que je l'achetais pas. Mais ça fait un an que je regrette à chaque fois qu'on fait des cocktails ou des trucs comme ça, de pas les avoir. Donc maintenant, je les ai. Et je vais essayer de trouver de la place pour mes verres parce que je suis trop contente. Alors au niveau du prix, vous pouvez les acheter à l'unité ou comme moi en lot de 6 dans un carton. La référence c'est ça. Alors c'est 7,95€ l'unité, j'ai donc payé le lot de 6, 47,70€. Et franchement j'avais cherché partout, sur La Redoute, sur Zara Home et tout, j'en voyais mais je sais pas, j'avais pas de coup de cœur et puis il y avait aussi beaucoup plus cher. Maintenant je suis contente mais il va falloir que je mette tout ça dans ma valise. Ça va être compliqué ça. Pas le choix, il va falloir que ça rentre. Je vais essayer de jouer à Tetris un petit peu. Et puis bah écoutez, je vais clôturer ici. On se retrouvera dans un prochain vlog très bientôt. En tout cas j'espère que ce petit vlog shopping déco avec moi vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye. It's where the people come.